Et je voudrais également les remercier de m'avoir associé à cette initiative. Je vous informe que je fais partie de la première équipe qui a créé la randonnée pédestre au Sénégal en 2000 avec le commandant Julien Agboto. C'est pour cela que je voudrais simplement vous donner quelques tuyaux. D'abord, retenez que la randonnée pédestre, c'est quitter un lieu, marcher et arriver à un autre lieu. On pouvait faire un circuit fermé, mais apparemment, c'est un circuit ouvert parce que le démarrage, c'est ici et on arrive à la maison des jeunes. Il y a trois objectifs dans la randonnée pédestre. C'est d'abord une discipline sportive parce que la randonnée pédestre existe dans le monde entier. Il y a beaucoup de fédérations. Le Sénégal a créé sa fédération. Discipline sportive différente de la marche. Il y a la marche de compétition, la marche olympique. Donc c'est différent de la marche olympique. La randonnée pédestre, c'est une discipline sportive, mais cela demande que chacun marche selon son rythme. En général, nous on disait quoi? Des gens comme Victor qui ont de grosses jambes ou du moins de grands écarts, ils peuvent être devant parce que c'est un Diego de Bourgogne. Ceux qui ont de petites jambes qui marchent doucement sont derrière. Donc les gens marchent selon leur rythme. Premier objectif. Deuxième objectif, il y a derrière tout ça, il y a des objectifs de santé. Tous les médecins nous recommande, la majeure partie ici de notre âge, les médecins recommandent de marcher, c'est bon pour la santé. Et troisième objectif, c'est cette dimension de fraternité. Parce que dans la randonnée, quand les gens marchent selon son rythme, Henri Gidna, Pogins, Kigina, Wachtan. Parce que souvent dans les randonnées, les gens ont réglé des problèmes parce que tassé, ils juste nous soumettre d'un problème, etc. Donc santé, sport, fraternité. Qui a fait le ciel et la terre, notre Père. Cette randonnée rentre dans le cadre du soutien des activités, en tout cas des 10 ans de sacre de Mgr André Gueye, évêque de Thiès. Et nous avons initié cette randonnée pour en tout cas lancer les activités pouvant générer des fonds, en tout cas pour soutenir cet grand événement. En tout cas 10 ans, comme on le dit, comme le dit le village, 10 ans, en tout cas c'est une génération. Alors je lance un appel à tous, en tout cas les paroissiens, en tout cas de ne mélanger aucun effort pour la réussite de cet événement, en tout cas pour accompagner notre pasteur, en tout cas dans ses œuvres et dans en tout cas sa mission. Dans l'avenir, nous comptons organiser en tout cas un Hawaré, en tout cas pour aussi avoir des fonds, toujours dans ce cadre-là, donc dans le cadre d'appuyer en tout cas de soutenir l'évêque.
venu. La joie de l'évangile. La joie aussi de la marche, ça se partage. Hein. Oui. Dieu a fait que j'ai rencontré cette association NERDERET et qui actuellement m'a proposé comme aumônier. Et avec plaisir, j'ai accepté ces charges puisque c'est un accompagnement spirituel dont cette association a aussi besoin en laissant des autres associations. J'étais très content lorsqu'on a commencé à préparer cette randonnée. Et celui qui nous a préparé au départ, en tout cas au départ de la maison du prêtre, nous a un peu expliqué en tout cas les motifs, mais aussi ce qu'on pourrait gagner dans une randonnée. Et je crois qu'il a rappelé à la fin. Alors mon impression, la première, c'est au-delà de cette joie, je crois que c'est aussi cette satisfaction que je ressens d'avoir été avec d'autres, mais aussi cet espoir de pouvoir rester encore avec ces autres, de telle sorte que l'association puisse grandir davantage, mais que cela constitue aussi une tache d'huile pour les autres associations, parce que je crois que c'est très bénéfique, triplement d'ailleurs. Il y a un slogan que j'aime beaucoup, quand le père évêque appelle, il faut répondre. Quand le père évêque demande, il faut donner. Quand le père évêque veut, il faut être présent. Et je crois que c'est important et dans ce sens, je crois que NERDERET a donné déjà le ton. Ça ne sera pas la première et la dernière, hein, je le souhaite pour NERDERET, mais aussi pour les autres associations et mouvements. Je crois que nous sommes au bout, c'est notre père, mais c'est l'honneur aussi du diocèse. Ce n'est pas lié à une personne seulement, parce que c'est vrai, l'évêque c'est la personne morale, l'évêque c'est la personne spirituelle du diocèse, c'est la personne légale en tout, mais au-delà, l'évêque représente aussi quelque chose de très noble pour le diocèse. Je crois que c'est important pour tous les diocésains de savoir compter encore sur l'évêque, mais aussi que l'évêque et l'église diocésaine de Thiès sachent et puissent encore continuer à compter sur les fidèles catholiques. Donc l'appel, voilà, que tout le monde s'y mette. Pour non seulement une belle fête, mais aussi pour que l'avenir puisse être davantage maîtrisé par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés.
concernant Nerderet, donc c'est une association à laquelle j'ai adhéré vraiment avec beaucoup de joie, parce que je me sens chez soi, évidemment, et par rapport aux objectifs, aux activités déclinées, je me retrouvais dans ce social. Ce qui m'a le plus aussi pour cette randonnée, c'est surtout par rapport aux 10 ans qu'ils nous ont fêté pour l'évêque de Thiès. Et c'est ce qui m'a fait, parce que j'ai une relation particulière avec M. Nyer. Parce que M. Nyer, je me rappelle que mon père dit Doundou, nous avons fait l'église de Thiès. Moi, le premier prêtre bi nga xamni mom mo ñu coacher de l'église bi taxaw ba ñu def la fête té ma nga fatalé ko cadeau yu mu doon wax moy cadeau yu ma gis tay ci mom mo dik tay nek na njit té mu ngi jappalé waccès. Alors randonnée bi deug la, c'est la santé, c'est important, il faut que nit ñi di dox, mais c'est surtout la cohésion bi wara am entre les diocésains de Thiès. Et li ci gëna neex aussi modé que dans Nerderet dañ ci am suñu ay mbokk musulmans, lolu donc dialogue islamo-chrétien bi ñuy woté lolu ñun duñu ko ci ay kayit wala ci ay séminaire, mais ñun dañ ko dundu au jour le jour ci kaw suñu ay activités. Ñu ngi dajé, ñu ngi cotiser, ñu ngi dafay action sociale, ñu ngi jappelé église bi, ñu ngi daf action sociale ci musulmans yi ak ci chrétiens yi, donc dafuñu amul xajj ak sen. Su ko defé nak 10 ans yi ñew ni deug deug damay wo diocésain Thiès yépp à une mobilisation exceptionnelle. Mobilisation nak du rek ñun ñu dajé ci ay xumbuté, nañu dajé ci kaw évêque bi woñu mënu ñu soxla na leen, amna ay projet dañ ko wara financer, ku nekk na indi lu mu am buñu xép dara, parce que mobilisation des fonds amna solo ndax église bi da ko soxla. Social église dafa am doole waxatuma la nak ñom sen dundu, parce que ñom wanañu dundu dañuy febar, lolu yeb nak su teggo ci bop évêque ñun ñi nek ay diocésain dañ ko ci wara jappalé. L'intérêt qui est une amicale reconduite au sein de l'Église a été créé dans l'objectif de soutenir les actions de l'Église et de promouvoir la solidarité entre ses membres et envers les personnes démunies. Elle compte en son sein des prêtres, des frères, des amis musulmans. L'amicale a eu à faire quelques œuvres de bienfaisance durant ces 10 dernières années. Il s'agit notamment de l'appui à la construction du sanctuaire de Morolan d'un montant de 500 000 francs, l'apport à la Caritas diocésaine d'une valeur d'une tonne de riz et de 100 litres d'huile, l'adduction d'eau au profit d'une famille à Ghent d'un montant de 202 000 francs, la contribution à hauteur de 50 000 pour la réfection d'une maison à Fandine, et dont des dons de masse à certaines écoles du diocèse durant la période de la pandémie du Covid-19. Un appui de 400 000 francs pour soutenir les équipes sacerdotales paroissiales durant la pandémie où, avec la suspension des messes publiques, les intentions des messes étaient devenues rares et les quêtes pratiquement inexistantes. Un soutien de 65 000 francs a été apporté pour le projet de construction de l'église de Tchapou. Un appui de 98 000 francs pour assister une famille de Ngent. L'achat d'un lit en bois, ainsi des denrées alimentaires au profit d'une famille aussi à Diarao. La paroisse Saint-Georges de Pandjenouléha a reçu une tonne de riz et 100 litres de riz, et la paroisse de Boubia des dons en aliments. Excellence, toutes ces œuvres ont été réalisées par l'association Nerderet dans l'humilité et la discrétion de ses membres. Ainsi, Excellence, je ne saurais terminer sans remercier les autorités administratives, la police, les sapeurs-pompiers et les gens qui ont facilité la venue de cette activité. À vous,
Nous vous renouvelons nos gratitudes et vous rassurons de nos prières afin que le Seigneur continue de veiller sur vous pour mener à bien vos charges. Quant à nous, membres de l'Indelec, nous sollicitons également vos prières et bénédictions afin que le Tout-Puissant accorde à chacun de nous la santé, la paix et beaucoup de force pour continuer ces bonnes œuvres. Vraiment, je vous félicite. Car vous avez joint l'utile à l'agréable. Utile pour votre santé, agréable pour votre communion, pour votre fraternité. Et en plus, plus utile encore, ou bien aussi utile, ce qui cadre avec l'événement du diocèse, votre participation aux manifestations pour les festivités de 20 ans. Vous marquez ainsi votre ancrage dans la communauté. Vous, comme vous le savez, cela a été répété, vous avez été reconnu comme association du diocèse. Cela, c'est un long processus. Cela prouve, en tout cas, que vos objectifs, même s'ils sont toujours repoussés à l'horizon, il faut continuer à les poursuivre. Cela a été répété tout à l'heure par votre président. Je n'y reviens pas. J'insiste, vous le savez, votre nom même, l'intérêt, est une mission, est une vocation. Et il y a beaucoup d'intérêt pour être un peu de donner ni beaucoup d'intérêt. Lorsque vous voyez, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, quand vous voyez, vous voyez, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous. Ça, c'est très important. Une association doit être mue par cette charité qui doit être mise en œuvre par la solidarité entre vous. Vous n'avez pas dit toutes les solidarités qui ont marché entre vous. Je sais qu'il y en a eu lors des manifestations, des événements familiaux, des événements tristes ou bien heureux. Vous avez été solidaires entre vous. Continuez cela. Et ensuite, vous n'avez pas en fait une forte solidarité entre vous. Cela a été dit par des actions vraiment discrètes envers des familles démunies. Et c'est cela, parce que l'amour n'a pas de frontières. Et ensuite, votre appartenance à l'Église, vous l'avez montré de forte manière. Il y a eu des actions avant. Quand j'étais vicaire à la cathédrale, même si ce n'était pas encore Nef Dalet, mais c'était une cellule de Nef Dalet qui était là. En tout cas, je vous encourage à continuer dans cette